Voilà, salutations à vous, shalom, shalom, mbote na binou, sobosa branché connecté à www.congodialogue. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue avec moi, votre serviteur Josué Boloa, n'est-ce pas, l'international, n'est-ce pas? Très ravi de savoir que vous êtes vraiment, vraiment scotché, stické, n'est-ce pas, dans ce programme. Et surtout aussi, merci de pouvoir accepter de vous abonner dans cette YouTube de bonne manière, ici dans ce site de bonne manière, www.congodialogue.com, un site qui est dirigé par la grande dame Francine Ngembe de la Belgique, maman Francine Ngembe de la Belgique, la coordinatrice de ce site. Moi, c'est Josué Boloa. Mon Facebook, c'est Josué Boloa. Tape seulement Josué Boloa, tu me verras et nous pouvons quand même garder contact avec vous. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Asie, nous aimerons toujours être en contact avec vous, savoir ce qui se passe au travers, en dehors de l'Afrique du Sud, en dehors de l'Afrique. Nous sommes toujours ravis de le faire. Grand merci à Nico Mokondi, hein, le boss de Mokondi Security au niveau de la Belgique. Merci à toi Nico Mokondi pour vos soutiens. Merci encore pour vos encouragements. Nous sommes très ravis de savoir quand même il y a de ceux-là qui nous suivent au travers le monde entier, surtout en Europe, et qui promettent toujours de nous suivre et qui promet toujours d'être derrière nous, nous encourager à faire ce que nous faisons. Merci à vous aussi si vous ne savez pas. Alors, soyez toujours avec nous pour peut-être vous donner plus d'informations. Voilà, je vais vous balancer un clip, un message d'un homme de Dieu que nous appelons en anglais et télé-évangéliste, un homme de médias qui fait un bon travail, qui fait aussi la fierté du corps de Christ et de l'évangile en ces temps ici dans ce 21e siècle, à l'occurrence du pasteur Marcelo Tounassi, que nous apprécions le grand travail qu'il est en train de faire avec l'église La Compassion au niveau de Kinshasa. Alors, je vais vous balancer un clip et puis je vais revenir après ce clip ici, qu'il a lancé un message d'éclaircissement, concernant les dossiers du dossier parcellaire. Il semblerait qu'il a été accusé de pouvoir voler la parcelle qui est voisine, n'est-ce pas, de là où il est en train de construire son église et la compassion. Mais je ne veux pas d'abord trop parler. Je vais vous balancer ce clip du pasteur Marcelet, qui est l'homme de Dieu que nous respectons et que nous profitons aussi de l'occasion pour vous saluer, vous encourager encore du grand travail que tu as, les frères, au niveau de la RDC. Pourquoi pas au niveau du monde entier, tes prédications, ça nous bénit beaucoup. Voilà, suivez ce clip et puis nous allons revenir après cet élément. Bonjour, bonsoir, tout dépend de quand vous allez suivre cette vidéo. Je suis là pour éclaircir vos lanternes. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelé de partout, qu'est-ce qui se passe. Alors, afin de mettre la paix dans le corps du Christ, j'étais convaincu de faire cette courte vidéo. On parle sur Internet que le pasteur Marcelo a escroqué une parcelle et des choses vraiment comme pas possible. J'aurais jamais imaginé dans ma vie qu'un jour quelqu'un pourrait dire que moi je lui ai escroqué une parcelle, car même je n'ai même pas le dit héros de quelqu'un. Alors, quelle est la vérité? Donc, il s'agit pas de ma parcelle, mais de la parcelle de l'église. C'est pas que je vais acheter une parcelle pour moi, c'est pour acheter la parcelle de l'église. L'église Compassion a déjà acheté une parcelle. Et là, nous sommes déjà en train de construire. Il ne s'agit pas de cette parcelle-là. Il s'agit d'une autre parcelle qui est voisine à la nôtre. C'est la parcelle qui était celle de notre ancien bailleur. Alors, ils ont eu des querelles parcellaires avec une autre famille. Et cette autre famille est venue nous présenter des documents et tout le reste, disant que c'est à elle. Et elle a mis sur le marché cette parcelle, voulant la morceler, voulant la vendre. Et nous ne sommes pas les seuls clients sur cette parcelle. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, d'autres églises, des particuliers, des commerçants, des étrangers. Beaucoup de gens, et même sur cette parcelle, il y a même déjà d'autres locataires et la famille qui a pris cette parcelle, la nouvelle, est sur place. Mais elle n'est pas inquiétée, il n'y a pas d'article sur elle sur Internet, tous les potentiels clients, pas d'article sur eux. Mais quand seulement l'église Compassion a voulu acheter cette parcelle, s'est organisée pour acheter cette parcelle et a demandé un crédit dans une banque de la place, et pas un crédit de 2 millions, je vois des gens parler de 2 millions, une parcelle qui coûte 1,350 000, c'est faux, c'est une parcelle qui coûte 800 000 $. Et jusque-là d'ailleurs,
la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit parce que la banque est en train d'éplucher le dossier, parce qu'une banque ne s'engage pas comme ça dans un dossier. Donc, il y a vraiment des tumultes pour rien. Et devant Dieu, nous n'avons pas tiré les ficelles pour être pour une famille ou contre une autre famille. Nous sommes l'église au milieu du village, nous sommes les pasteurs de tous. Alors, pourquoi on cite nos noms? Si vous lisez l'article, vous allez voir que 90% de cet article ne me concerne pas. C'est leur conflit qui a commencé depuis très très longtemps, avant même que l'église Compassion ne vienne à l'imiter. Mais pour attirer l'attention sur leur conflit, ils ont décidé d'utiliser mon nom, mon image et de me salir et pour m'empêcher d'acheter, me décourager d'acheter parce qu'ils savent que le pasteur Marcelo veille sur sa réputation. C'est ça seulement. Et je tiens vraiment à pardonner à cette famille pour avoir sali mon nom. Je tiens à pardonner ces journalistes qui ont fait un article sans même venir nous voir. Ils n'ont pas entendu les deux sons de cloche. Et j'aimerais vraiment pardonner à cet avocat qui est en train de salir mon nom et qui ne respecte pas la déontologie de son travail. Soyez en paix, le pasteur Marcelo n'est pas un voleur, il ne le sera jamais. Tous ceux qui me connaissent le savent que je vis dans l'honnêteté, je suis un honnête citoyen et je n'ai pas besoin de voler une parcelle pour avoir une parcelle. Vraiment, tout homme intelligent peut savoir que ce n'est qu'une diffamation et une calomnie. Que Dieu bénisse et pêchez-vous. Merci. Merci la régie pour cet élément. Merci. Vous avez suivi, le message est trop clair. Non seulement trop, mais très clair. Le pasteur Marcelo Tounassi a éclairci la situation de dossier parcellaire. Il n'a jamais eu l'intention de voler qui que ce soit. Il a été toujours honnête dans ses propos, dans sa manière de faire les choses. Sur ce, en suivant cet élément, tant que l'homme des médias, tant qu'enfant de Dieu, tant que chrétien aussi, et l'une des raisons que je suis venu à vos petites écrans, chers enfants de Dieu, chers téléspectateurs, les amoureux de la musique chrétienne, les amoureux de cette émission Espace Dialogue, là où la réflexion, la connaissance se rencontrent, c'est ça l'objectif de notre message, de notre émission, c'est que j'ai au moins observé deux, trois éléments épinglés dans ce message et de la situation en fait. Voilà pourquoi je fais cette analyse et cette observation. La première des choses, je salue d'abord la bravoure, je salue le courage, je salue la transparence de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que premièrement, il s'est rendu compte que c'est un homme public. Il s'est rendu compte que c'est un homme qui influence les hommes, qui influence les vies, qui influence la nation, qui influence les continents. Parce que son message n'est pas seulement limité à Kinshasa ou en RDC. Son message qu'il apporte et influence l'Afrique et pourquoi pas l'Europe et le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me dire qu'il ne connaît pas le pasteur Marcelo Tounassi. C'est quelqu'un qui apporte, qui ramène un peu les bonnes mœurs, qui rétablit un peu les bonnes mœurs sur le plan relationnel, sur le plan des mondes de vivre dans la société, sur le plan du couple et pourquoi pas même sur le plan spirituel. Et j'aime son honnêteté, son courage de pouvoir venir sur le petit écran pour éclaircir. Ça m'a beaucoup touché. Donc, nous avons marqué la bravure, le courage, la télévision, juste pour quelques minutes, si c'est 4 minutes, quelques secondes, pour éclaircir un peu la situation. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible et dans le livre de Proverbes que la réputation vaut mieux que le bon parfum. Ce n'est pas à nous de protéger nos réputations, mais du moins nous avons quand même une responsabilité de pouvoir faire un effort, de maintenir et puis de protéger notre réputation. C'est vrai, ça pourrait être manipulé, dire n'importe quoi. Mais du moins, si tu sais quand même quelque chose, que tu dois quand même aussi travailler sur la protection de ta réputation. Voilà pourquoi il s'est tenu devant la caméra pour éclaircir qu'il n'est pas malhonnête, il n'est pas un voleur, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a dit là, ce sont des fausses accusations. J'aime ce courage-là. En d'autres termes, les gens parlent, l'Internet parle, les réseaux sociaux parlent que pasteur Marcelo aza muyibi, aibi lopangu, aza dictateur, alinga prendre parcelle voisine wana, olikama parcelle wana alobi aibi yango te. Il n'est même pas au courant.
D'ailleurs, comme pasteur, les gens sont venus pour qu'ils sollicitent la prière afin qu'il y ait la solution dans ce dossier-là de parcelle. Mais dis-moi, curieusement, quelqu'un d'autre a pu chercher à salir sa réputation. La deuxième des choses que j'ai observé dans ces messages, dans cet éclaircissement, pour relever un peu ces pentes-là de la fausse accusation qu'on l'a acculé, des voleurs, on a nommé le nom, et que c'était un homme de Dieu. Il a manifesté l'amour pour dire qu'il pardonne ceux qui accusent, ceux qui disent n'importe quoi sur son nom. Il pardonne l'avocat là, qui est allé même créer des histoires pour le traduire en justice. Il lui pardonne. Waouh! Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment touché. Et je te dis grand merci le pasteur Marcelo. Si seulement certains hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu, pouvaient suivre cet exemple. Non seulement qu'il est venu éclaircir, mais il est venu aussi au travers le média pour pardonner à ceux qui font. Parce que Christ l'a fait. Malgré les accusations, il était innocent. Mais sa mission était pour sauver le monde. Il a multiplié, il a guéri les malades, il a fait marcher les paralytiques, il a guéri les lépreux. N'est-ce pas? Il a fait des multiplications, il a nourri la masse. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont, à la fin du temps, ils ont dit crucifiez-le. De la même manière aussi, parce qu'à la fin, Jésus avait dit quoi? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que pasteur Marcelo a fait. Il a pardonné. Cher ami internaute, tu peux être chrétien ou pas, ou un croyant, un religieux, mais je crois que c'est un acte à suivre et puis un exemple à suivre. Par rapport aux accusations, quelle est ton attitude? Quelle est ta position? C'est un exemple à suivre. Il s'est rendu compte que je suis un homme. Ce que je fais, ce que je parle a une influence. Non seulement ce que je parle, mais ma vie aussi, mon comportement a une influence. D'où, s'il y a des choses que les gens ne comprennent pas, on parle de n'importe quoi sur mon nom et sur ma réputation, je dois agir. Mais ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que les réseaux sociaux parlent. Ils disent, on ne sait pas l'internet, sinon on l'a dangoté. Puis nous avons gardé silence. Oh, tu ne sais pas qu'on te suive. Dieu t'a déjà mené dans un rang. Donné, mon frère, ma soeur. Un homme de Dieu, femme de Dieu. Dieu t'a déjà mené un rang. S'il y a des choses que les gens parlent de toi et que les gens n'ont pas de réponses, ils ont tant de questions, c'est un exemple à suivre quand même. C'est un exemple à suivre. C'est pas dit que tu te justifies, non. Et si tu sais que tu n'es rien par rapport à ces dossiers-là, par rapport à cette situation, bien sûr, passe à la télé, dis-nous. Parce que quand tu prêches là, tu nous parles. Et lorsque les gens disent de n'importe quoi, ne dis pas seulement que le Seigneur m'a dit de garder silence. C'est ta réputation qui est en steak, en ligne. C'est ta réputation qui est en jeu, mon frère. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui te suivent, beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup de générations de jeunes te suivent comme étant un modèle. Mais lorsque les gens écoutent, ils n'y comprennent pas. Moi, je trouve que ce n'est pas aussi mauvais de pouvoir passer à la télé, c'est justifié, pas justifié, mais expliqué, éclairci, pour que ceux qui te suivent comme étant un modèle comprennent que non, ils en ont pas les ondes. Si le pasteur Marcelo a fait ça, je crois que toi, musicien, tu peux le faire. Toi, chanteur, tu peux aussi le faire. Je ne trouve pas que l'ongolo yote et que l'ongolabo yote. Moi, je trouve que ce qu'on a vu parce que Marcelo a fait, et l'ongolé que Marcelo tient, mais au contraire, ça nous a touché. Cette honnêteté-là, ce courage-là de venir à la télé pour expliquer. Cher ami, non seulement que tu sois chrétien ou croyant, tu es un homme influent, directeur, PDG dans la société, même dans la famille. S'il y a des choses qui se disent sous coulisses, qui dérangent la réputation des gens, qui dérangent ta réputation, s'il vous plaît, explique-toi, éclaircis, pas se justifier, mais éclaircis. Mais dommage qu'aujourd'hui dans le monde, nous voyons les hommes et les femmes orgueilleux. Les hommes orgueilleux, des femmes orgueilleuses, full of themselves, pleins d'eux-mêmes, l'égocentrisme qui remplit le cœur. Et puis seulement dans les réseaux sociaux, dans le Twitter, dans le Lobaté,
Non, tu dois parler parce que les gens te suivent, mon frère, ma soeur. Un de onanga, prêtre, bazolo ba parce que ba yoki. Sko ba tu ba panza, et surtout comme ça, ma bende panza ma ambango. Le mensonge est que na ambango. Mais toi, sur qui tu es victime, si c'est possible, passe à la télé, éclaircis les gens pour que les gens comprennent. Et après avoir éclairci, quelle est maintenant votre réaction? Pardonnez et puis move on, continue. La vie continue parce que tu es un homme exposé. Ce que tu fais là, toi, tu penses que le diable va être content. Musique aux obétawana, Matéo Théa Kawana. Les gens ne seront pas contents, ils doivent créer comme un solo. Mais si tu trouves que les gens posent tant de questions, ils vont comprendre, viens, éclaircis et puis pardonne. La vie doit continuer. Maman Francine Nguéme de la Belgique, c'est un exemple à suivre. On a vu des hommes et des femmes dans notre pays là-bas. Maman à l'Olendo, nana au Lobati. Ça va la vie dans au Lobati. Va continuer à relever, nous allons charger na baron, mais bah innocent, bah une explication clarté, bah un éclaircissement, ils vont faire des hallucinations, ils vont faire des allusions, ils auront des préjugés, ils ne vont plus te considérer de la manière dont ils te considéraient, parce qu'il y a de ceux-là qui te respectent tel que tu es là, mon frère, directeur, ministre, président, mais bah respecter you, mais ce bah le banassé, ce bah comprendre, te viens éclaircir. Voilà, cher. Amis abonnés et téléspectateurs, c'était le dossier de notre pasteur Marcelo Tounassi qui fait un beau travail et je salue toute l'église de la compassion au niveau de Kinshasa et de compassion élargie, je voulais dire en anglais, élargie dans le monde entier. Et c'est un homme conférencier qui parle bien, qui impacte la vie des hommes. La jeunesse est bénie, les couples sont bénis. Naba conseil à Pesaka. Un moment, on a pasteur Marcelo, professeur éducation morale. Un wananga. C'est le message que nous attendons. Donc, on a appelé moi morale, ma bonne manière. Il y a Bisso Bakongo, le Potobunga Arumba. Moi, bah merci à la raté, excusez à la raté, moi, bah blond moins à la raté, yo lingara, bon bah linga côté, au comara baby dort bien, bonjour, bah salut à Kayote, moi, bah bonne manière, on a congolais, tout ça, n'ango. Tu vois, yes, Becky, I'm coming, my daughter, give me a second. Where are you? Selma? Tu vois, cher internaute, donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous rapporter aujourd'hui. Dossier pasteur Marcelo Tounassi, il a éclairci à l'opinion publique, il a éclairci aux enfants de Dieu, il a éclairci aux Congolais et aux Congolaises, il a éclairci aux Africains que lui n'est pas voleur. Le dossier de parcelle-là, ça ne lui engage pas, il ne connaît même pas la tête ni la queue. Plutôt, on est venu solliciter sa prière et maintenant les gens disent, ils ont créé des avocats, même ces avocats-là cherchent à toucher la personnalité des hommes de Dieu. Ah, avocat, bongola motema. Pasteur a sa limission, mais bongola motema. Cela plaît aussi à d'autres personnes. Nous avons dit que nous bien côté. Nous avons critiqué que nous avons été bien côté. Nous avons bien côté. Au vanda na été, mais tu dis n'importe quoi sur la personne. Ma bételo lui solo vérifier té. C'est ça notre nature. Moi j'appelle ça c'est la sorcellerie. Il peut aussi avoir commenté na makambo yo oyebité. Mutuna makolo oyebité pour kotiango. N'est-ce pas? O lingi ba salote ko sala pe mninga tende konanga. Kongole to bongo la mtema ndeni. To ko avancer ndeni. Et puis on a mona pété ba homme de Dieu to mona ba pays africain tel que Nigeria na tanga ta komba pays Nigeria. Non, mon âme est basée sur la mission sur le serviteur de Dieu. Car on a Congo, car la mission a Congo. C'est vrai qu'il y a des faux, on n'en disconvient pas. Ce signe tout le bel avant, tout le bel avant. Mais majorité sur les camoufles, caca. Ah, Marcelo Moïbelopang. Moindre pépé, ah, le pasteur Marcelo Moïbelopang. L'apôtre est tel, Moïbelopang. L'apôtre est tel, le prophète est tel, le serviteur est tel, l'évangéliste est tel, Moïbi, le Koso, tout ça. Nous acculons les serviteurs de Dieu. On n'a pas du respect des hommes de Dieu. C'est vrai qu'ils ont fait des abus. Ça, on a disconfié. Tant que l'homme des médias, je connais. J'ai vécu. Je vois. Chaque jour, chaque semaine. J'ai des témoignages vrais. Même quand le monde est dans le bossa télévision, la caméra, dans le bas, n'importe quoi, sur le serviteur de Dieu. Dans le bas, on n'est pas dans un mandat. Toi qui es mandaté à dire n'importe quoi sur les hommes de Dieu, fais-le. Tu auras aussi ton sort. Mais nous autres, là, on n'est pas mandaté à ça. C'est par rapport à l'éducation d'abord qu'on nous a donné. Attends que vous êtes que serviteur, tout mon sein ensemble, tout moi ensemble. L'éducation, on a colline, on a un dac, on a bisou. Je ne peux pas dire n'importe quoi, c'est la personne que je ne connais pas.
Je ne peux pas commenter la situation que je n'ai pas de, je n'ai pas de maîtrise. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la bonne manière, l'éducation qu'on m'a donnée. N'est-ce pas? Mais nous, nous ramassons et nous distribuons des informations, des fausses accusations, des fausses informations qu'on n'a même pas de preuves ni des informations sûres. Donc, ce sont des choses que nous devons quand même essayer un peu d'arranger en tant que Congolais, en tant que des Congolais, bien sûr, je parle de notre communauté, et en tant qu'Africains aussi, c'est vrai qu'il y a certaines communautés aussi, certains pays africains, ils parlent aussi du mal des autres, mais nous, moi je parle en tant que du Congolais, parce que Pasteur Masrelo, c'est un Congolais. Alors, la personne qui amène des fausses accusations, c'est aussi un Congolais, un avocat congolais. Qui n'a pas de preuves, connaît même pas la tête. En tant qu'avocat, parce que tu as besoin d'argent, on te dit que non, tu vois la parcelle là, c'est Pasteur Marcelo qui a volé ça. Il ne veut pas payer l'argent. D'ailleurs, il a bien éclairci, ils sont dans le processus d'acheter des parcelles pour l'église, pour le royaume de Dieu. Mais les banques prennent le temps. Mais la situation voisine là est allée à taillette. Chers téléspectateurs, chers abonnés, que vous allez me suivre au travers le monde entier, essayons un peu d'ajuster notre manière de voir les choses. N'est-ce pas? En résumé, j'aime le courage. Vraiment, je salue ton courage, Pasteur Marcelo. Je salue l'ouverture de ton cœur. Je salue cet éclaircissement que tu as fait. C'est vraiment un exemple à d'autres serviteurs, d'autres chanteurs, d'autres musiciens. Il rappelle-toi, étant donné que tu es un homme public, les gens parleront de toi. Les gens parleront contre toi. Les gens créeront des situations qui sont vraies ou faux. Les gens feront cela. Mais lorsque ça affecte la réputation, ça sonne un peu très mal là. Autant que possible, chers frères, directeurs, ministres, na position nous choses dans le colonne. S'il faut passer à la télé, éclaircie, éclaircie. Comme ça, tu vas sauver les âmes. Au quoi aider Batébélé Balandakayo. À bon attendeur. Salut. Merci à Maman Francine et de la Belgique. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue, n'est-ce pas, YouTube. Facebook, c'est Josso Boloa. Mon numéro WhatsApp est dans vos petits écrans. Échangez encore des idées, partagez encore, commentez, envoie-moi vos messages, envoie-moi vos soutiens. Je ne manquerai pas, n'est-ce pas, envoie-moi vos sujets, n'est-ce pas, je serai là toujours pour en parler, pour que le monde entier nous suive et soit instruit et puis soit éduqué. Voilà, merci à la grande dame Francine Mende de la Belgique. Je profite de l'occasion pour dire grand merci aussi à toi, à Patrick, au niveau des États-Unis. J'ai dit grand merci à Esther Mwenge au niveau du Danemark. Salut à toi. Bonne fidèle, bonne fidèle. Mais ça continue, tu vois. Ne vous en faites pas. Comme il y a un WhatsApp. Merci. Na prof Bellon, na niveau sorti de Van Cape Town. Merci la famille d'adoration. Merci d'accord à Christ Mobimagnoso. Soutenons-nous, prions pour les hommes de Dieu. Bon, bas affaire, bientôt relevé, bango. Jusqu'à un prochain numéro.